Répands dans ton Église, Seigneur, l'esprit de courage et de piété. Et donne à nos frères Didier, Pierre-Hubert, Thomas et Nicolas la grâce d'être des ministres dont le monde a besoin, pour te servir à ton autel et annoncer l'Évangile avec force et douceur. C'est par ces mots que nous avons adressé à Dieu notre première prière aujourd'hui. Nous avons d'abord demandé le don de l'Esprit sur l'Église et pas seulement sur les quatre ordinants. C'est bien toute l'Église qui est concernée aujourd'hui, toute l'Église qui reçoit la grâce de Dieu quand quatre de ses membres disent leur disponibilité à servir. Service de Dieu à l'autel, service des hommes par l'annonce de l'Évangile. Non seulement quatre d'entre nous sont en prière, mais aussi chacun de nous, vous et moi, et nous tous ensemble, réunis en communauté de foi et de charité. Chers frères et sœurs, après avoir entendu la parole de Dieu en ce jour et en situant cette ordination dans la dynamique pastorale de notre diocèse de Strasbourg, je souhaite vous parler de communauté, de miséricorde et de docilité à l'Esprit de Dieu. La docilité à l'Esprit de Dieu. Paul la laisse entendre dans le récit qu'il fait aux Galates de sa vocation. L'Évangile que je proclame, dit-il, n'est pas une invention humaine, mais une révélation de Jésus-Christ. Dieu, dans sa grâce, m'a appelé. Et un jour, il a trouvé bon de mettre en moi la révélation de son Fils pour que moi, je l'annonce aux nations païennes. Aussitôt, je me mis en route. On sait la conversion de Paul, l'acharnement de ses premières erreurs, l'intensité de sa conversion, puis sa grande docilité à l'Esprit du Seigneur et l'acceptation empressée de la volonté divine. Paul dira ensuite, « Avec le Christ, je suis fixé à la croix. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. » Thomas et Nicolas, Didier et Pierre-Hubert, vous ne seriez pas ici aujourd'hui sans avoir consenti à la volonté de Dieu, sans avoir accepté d'être docile à l'Esprit du Seigneur. Ne l'oubliez jamais. Le consentement spirituel, l'obéissance à la volonté de Dieu est paradoxalement, pour chaque croyant, source de profonde liberté. Sortie de nos crispations individuelles et acceptation joyeuse de la mission reçue dans l'aujourd'hui de Dieu. La miséricorde. Le Christ nous en donne aujourd'hui un émouvant exemple et avant lui le prophète Élie. Témoin de la souffrance d'une mère en deuil, le prophète Élie compatit et prie Dieu avec persévérance. Dieu entend la prière d'Élie et redonne le souffle à l'enfant qui revit. Dès lors, au nom de Dieu, Élie peut rendre l'enfant à sa mère. Ce retour à la vie annonce celui que Jésus-Christ opère pour l'enfant de la veuve de Naïm. Jésus
raconte l'évangile de Luc, est saisi de pitié pour la veuve. Et après avoir relevé l'enfant de la mort, le rend lui aussi à sa mère. Quel témoignage de compassion, quelle miséricorde divine pour relever l'homme et le faire vivre. Il n'y a pas de ministère en Église sans révélation de la miséricorde de Dieu. Prêtre, vous aurez à compatir, comme le Christ, aux faiblesses et aux souffrances de vos sœurs et de vos frères, à transmettre ce que vous avez vous-même reçu, à révéler par la grâce des sacrements et le témoignage de votre vie la profonde bonté de Dieu, la consolation dans la peine, l'appel à conversion et le pardon des péchés, dans une grande charité pastorale. Charité pastorale à laquelle invitait en termes si forts Jean-Paul II. Je le cite. Le principe intérieur, la vertu qui anime et guide la vie spirituelle du prêtre en tant que configuré au Christ tête et pasteur, est la charité pastorale. Participation à la charité pastorale du Christ Jésus. Don gratuit de l'Esprit Saint et en même temps engagement et appel à une réponse libre et responsable de la part du prêtre. Le contenu essentiel de la charité pastorale est le don de soi, le don total de soi-même à l'Église, à l'image du don du Christ et en partage avec lui. La charité pastorale est la vertu par laquelle nous imitons le Christ dans son don de soi et dans son service. Ce n'est pas seulement ce que nous faisons, mais c'est le don de nous-mêmes qui manifeste l'amour du Christ pour son troupeau. La charité pastorale détermine notre façon de penser et d'agir, notre mode de relation avec les gens. La communauté. Notre diocèse de Strasbourg est engagé, en communion avec le pape et toute l'Église, dans une démarche d'évangélisation. Après avoir invité chaque chrétien à se laisser évangéliser, nous nous appliquons cette année à évangéliser nos communautés. Nos communautés chrétiennes ont beau être fondées sur le Christ et son Évangile, être nourries de la grâce et de la miséricorde de Dieu, être animées par son Esprit, que de contre-témoignages, que de faiblesses, que d'atteintes à l'amour de Dieu et à celui de nos frères. Il nous faut donc évangéliser nos communautés. Si nous savons bien que nos communautés ont besoin du ministère des prêtres, les prêtres, pour l'exercice de ce ministère et l'équilibre de leur propre vie, ont besoin de la communauté, de l'amitié et du soutien de ses membres et de la coopération de tous. Les prêtres ont besoin de fraternité entre eux et de charité entre tous, tout autant que de la grâce de Dieu. Prêtres aînés, soyez patients avec vos jeunes confrères. Jeunes prêtres, soyez confiants envers vos aînés. Frères prêtres, renouons les liens de la fraternité sacerdotale et du soutien mutuel. Avec le conseil du presbytérium et avec vous, je souhaite que nous rappelions à l'avenir la spiritualité du prêtre diocésain, sa beauté et sa fécondité. Frères et sœurs baptisés, soyons attentifs aux difficultés d'aujourd'hui
aux solitudes grandissantes, aux fermetures individualistes. Puisse notre Église redevenir communauté, famille. Puissent ses membres être plus attentifs les uns les autres, plus bienveillants, plus patients, parfois même plus courageux dans la correction fraternelle, mais aussi plus miséricordieux et plus humble. Notre pape François est en train de réveiller nos consciences, n'y restons pas insensibles. Chers frères et sœurs, chers ordinants, je ne saurais rien dire de plus fort et de plus simple que ceci. Pour l'amour de Dieu, frères prêtres, aimez les gens. Sœurs et frères, soutenons nos prêtres, aimons-nous les uns les autres de l'amour même de Dieu. Alors l'Église, corps du Christ, l'Église communauté, l'Église famille sera toujours devant nous comme un bonheur offert. Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur pour aider l'évêque et ses prêtres et faire progresser le peuple chrétien? Voulez-vous, comme l'apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par vos actes, fidèles à l'Évangile et à la tradition de l'Église? Voulez-vous garder et développer un esprit de prière conforme à votre état? Et dans la fidélité de cet esprit, célébrer la liturgie des heures en union avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier? Voulez-vous conformer toute votre vie à l'exemple du Christ dont vous prendrez sur l'autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Didier, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Pierre Hubert, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Oui, je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Fils bien-aimé, avant d'être ordonné prêtre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous, devant devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit-Saint? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole, en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique? Oui, je le veux. Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous sera confié en étant toujours assidu à la
charge de la prière. Oui, je le veux. Voulez-vous de jour en jour vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous à son Père en victime sans tache, et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Thomas, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Oui, je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Nicolas, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Chargez les uns les autres de te servir. Comme autrefois déjà, dans la première alliance, tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi pour le service de ta demeure. C'est ainsi qu'au premier temps du temps.
Avant de s'offrir à toi, Père très saint, ton Fils a voulu laver les pieds de ses disciples pour nous donner l'exemple d'amour. Accueille l'offrande que nous déposons sur cet autel et pour que nous puissions nous offrir nous-mêmes dans le sacrifice du Christ, accorde-nous le même esprit d'humilité et de service par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Les offrandes que nous avons sanctifiées.